Les moyens de dépistage et les traitements ensemble nous ont permis d'obtenir quand même une bonne diminution du décès par cancer du sein. Quand on parle d'un taux de survie, on parle d'autour de 85 %. Donc, on peut comprendre l'importance du dépistage avec la mammographie. En tant que médecin, la Société canadienne du cancer est très importante dans mon travail parce que, premièrement, c'est une société qui est impliquée partout, à travers le Québec, sur tous les terrains possibles pour tâcher de convaincre les gens de l'importance de la prévention et du traitement du cancer du sein. Puis elle nous outille aussi avec les Mémo Mammo. Le Mémo Mammo de la Société canadienne du cancer, c'est un outil très utile autant pour les femmes que pour les médecins de famille. C'est que c'est un petit porte-clés qui démontre aux femmes la grosseur des bosses qu'on peut détecter selon l'examen qu'on fait. C'est vraiment un outil qui, pour moi, est très utile. Et j'ajouterais que c'est aussi utile pour mes étudiants, pour mes résidents, qui, eux, ont aussi à parler aux femmes et à les convaincre de passer une mammographie de dépistage entre 50 et 69 ans. Donc, finalement, c'est utile pour tous les gens qui œuvrent auprès des femmes.